Mathieu Marais, défaite 6-2 ce soir contre Chaux-de-Fonds. En fait, il a manqué un petit peu de tout dans ce match pour pouvoir vraiment rivaliser avec la Chaux-de-Fonds. Oui, bien sûr, c'est sûr qu'actuellement, on a une passe un peu difficile, mais c'est dans ces moments-là qu'il faut se retrousser les manches et puis il faut continuer à bosser. Puis il n'y a pas que du négatif, on a eu quand même 2-3 belles occasions. Il faut donner du crédit à leur gardien qui était quand même malgré ça bien là. Donc ouais, il faut rester, garder la tête haute et puis bosser, il n'y a que ça. Il y a certes les résultats, mais aussi la question de l'effort. Et j'ai pas l'impression qu'on puisse reprocher quelque chose à l'équipe au niveau de l'effort. Non, absolument. Chaque joueur était là, du premier défenseur, gardien à l'attaquant, on était tous présents. Donc voilà, peut-être un petit manque de chance aussi. Mais bon, voilà, on se trouve pas des excuses. Ce qu'il faut, c'est travailler encore plus fort. On n'a pas besoin de talent pour ça, pour travailler. Hein, donc voilà, on y va et puis on travaille et puis ça va aller. Est-ce que c'est ce 2-1 tout de suite après ton but qui a quand même fait mal à l'équipe? Oui, je pense, on sait comment c'est important après un but de se remobiliser et puis aller de l'avant. Et puis là, malheureusement, on se prend le goal droit derrière, donc c'est sûr que ça fait mal, mais il reste encore quand même 2 tiers. Donc voilà, il faut qu'on se ressaisisse et puis que voilà, ça faut rester positif tout simplement. Merci beaucoup Mathieu et bonne chance mardi. Merci.